Bitch and Bastards, welcome to Fab Carmon. Mr. Jamaica, it's a last of special. For to the pussy world, it's a last of comme ça depuis adolescente. Mais vous inquiétez pas car elle n'est pas méchante. Bien au contraire, elle est douce et très accueillante. Mis à part sa patte très diplomate, mais en plus d'une psychopathe. Elle n'a rien dans la tête. Tout ce qui compte pour elle, c'est d'aller conquérir les mecs. Bad boy, méfie-toi, ne te fais pas influencer. Car ce n'est pas toi, mais elle qui va bien te l'enfoncer. Manisa, c'est genre de pussy world dame. Qui se disent mais qui sont des grosses chiennes. Croyez-moi, elle n'en vole pas la peine. C'est genre de gueule qui se prennent pour des rennes. Manisa, c'est une croqueuse d'homme, car elle aime ce jeu. Elle joue avec les hommes comme elle joue avec le feu. Oui, sa réputation est salie, mais tout le monde le sait depuis des décennies. Non, Manisa n'est pas du genre à se taire. Elle sait ce que c'est d'être accusée pour adultère. Elle n'en est pas à son goût, elle sait donner son charme, c'est son truc, et ça tout le monde le sait. Manisa, c'est genre de pussy world dame. Qui se disent mais qui sont des grosses chiennes. Croyez-moi, elles n'en valent pas la peine. Ces gens de gueule qui se prennent pour des reines. Manisa, ces gens de pussy world dame. Qui se disent mais qui sont des grosses chiennes. Croyez-moi, elles n'en valent pas la peine. Ces gens de gueule qui se prennent pour des reines. Oui, elle aime bien les contacts humains. À chaque fois, elle s'en sort très bien. Elle sait bien comment les attirer. Check son booty et ça, à longueur de journée. Elle n'a que ça à faire. Si tu la croises, man, lâche l'affaire. Mais fais embrouille, qui quand les douilles. Mais qui bien quand les soirées partent en bouille.